Communiqué final. En ce jour en France, pour rendre hommage au président Pascal Lissouba, décédé le 23 août 2020 à Perpignan, Madame Mounari Claudine, présidente de la Fédération de l'opposition en République du Congo, IDC Frocad, CJ3M, a saisi cette occasion pour rencontrer les forces patriotiques et républicaines de la diaspora. Au terme des échanges successifs qu'elle a eus en amont avec ses compatriotes en individualité ou par petits groupes, elle a souhaité conclure par une rencontre commune plus large qui a eu lieu le 20 septembre 2020 à l'hôtel Mercure à Paris 17e. La rencontre s'est déroulée dans la sérénité et a été marquée par une convergence de points de vue des participants sur la situation catastrophique du pays, tant au plan économique, politique et social, du fait du pouvoir issu d'un hold-up électoral de 2016. Il en est ressorti à l'unanimité la nécessité, 1, d'amplifier la pression diplomatique et populaire pour la libération des prisonniers politiques et d'opinion. En l'occurrence, Jean-Marie Michel Mokoko, André Okomi-Salissa, ainsi que les quatre activistes de la dynamique incarnée l'espoir. 2. Politique nouvelle afin de rompre avec le cycle de la souffrance et de la pauvreté qui asphyxie les populations depuis plusieurs années. 3. De l'unité des forces patriotiques, républicaines et démocratiques de l'opposition de l'intérieur et de la diaspora. 4. De l'amplification de l'esprit du dialogue de Diatta auquel le rassemblement des forces alternatives en constituait le socle. 5. De la mise en place d'une plateforme des forces patriotiques républicaines et démocratiques de l'extérieur, devant servir de relais de l'opposition congolaise de l'intérieur. S'agissant de la présidentielle de mars 2021, les participants ont mis un accent particulier sur la nécessité d'une réforme de la gouvernance électorale, source de conflits à chaque élection, et insister sur le caractère non démocratique de la commission électorale dite indépendante, qui n'est qu'une chambre d'enregistrement du pouvoir en place. Les participants ont par ailleurs exigé l'équité de la composition des membres de la commission électorale refondée pour une gestion saine des élections conformes aux standards internationaux et l'effectivité du vote des Congolais d'étranger par un recensement spécial et leur inscription sur les listes électorales. Ils condamnent en outre la loi modificative sur le vote par anticipation de la force publique. Aussi, plus que jamais, les participants recommandent l'organisation d'un dialogue national sous la supervision de la communauté internationale. Remerciant les participants pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, Madame Claudine Mounari a également tenu à les féliciter pour l'attachement à leur pays à travers leurs divers engagements pour résoudre les problèmes qu'ils traversent. De même, elle a rendu un vibrant hommage à toute la diaspora pour l'aide multiforme qu'elle apporte aux familles, au pays, dont l'importance est cruciale dans un contexte où la crise multidimensionnelle et éprouvante que vivent les populations s'est ajoutée à celle
de la COVID-19. Pour conclure, la présidente de la Fédération de l'opposition en République du Congo, Madame Claudine Mounari, exhorte les Congolaises et Congolais à se mobiliser partout autour des forces patriotiques, républicaines et démocratiques rassemblées afin de sortir le pays de l'impasse. Faite à Paris le 20 septembre 2020, je vous remercie. Plus unis que jamais, vivons pour.